Bonjour Hélène, semaine 24. Voilà, ça se voit, je sors de la douche. Je profite de travailler, j'ai acheté du neuf ce matin, qui n'ont pas d'horaire fixe, pour pouvoir faire cette petite vidéo semaine 24. Donc, plusieurs choses. Ben maintenant que je travaille, mettre au boulot dodo. Mais en tout cas, voilà, donc plusieurs choses. Première, c'est qu'on m'a demandé en tant qu'auto-entrepreneur, auto-entrepreneur, d'investir dans un portable, ce que j'ai fait sans le faire, c'est-à-dire qu'on me l'a prêté. Alors, je vais vous montrer un peu la bête. Voilà la bête, c'est monsieur qui me l'a prêté jusqu'à ben, au moins fin avril. Voyons, parce que de toute façon, un, il faut que j'investisse, parce que il faut que j'investisse dans un ordinateur puisque le mien commence à devenir hyper vieux. Et j'ai peur de perdre toutes mes données, les photos, les vidéos, voilà, ma recherche d'emploi, etc., etc. Donc voilà, il faut que je m'affole. Il a 3 ans, ça rame. J'ai regardé YouTube sur le portable il y a 2 jours parce que c'est quand même mon portable qu'on m'a prêté. Donc je fais ce que je veux avec. Donc j'ai regardé YouTube, c'est juste un plaisir incommensurable d'avoir un truc qui fonctionne. Le seul bémol, c'est que j'arrive pas à regarder des CDL. Je sais pas. Alors, soit il y a un bug sur le site de France 3, soit il y a un bug sur le site de France 3, ou je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc c'est un ordinateur classique HP, hein, chut-chut, pas de marque. Voilà, donc deuxième semaine de boulot, encore un peu chaotique au niveau de l'organisation, mais ça c'est normal. Mais les choses commencent à se positionner. Je vais travailler cet après-midi chez MC, là où je suis assistante, car je reçois quelqu'un pour qui me mette, enfin qui me mette à, je patauge un peu sur les derniers branchements. Donc pareil, on a internet depuis quelques jours et je ne le sais pas parce que j'ai mal branché les choses. Dixit monsieur, hein, il a pas tort, mais là vraiment je suis perdue. Voilà, j'ai fait appel à mes connaissances pour voir s'il y a quelqu'un qui pourrait, si vous voyez ce que je veux dire, venir au bureau pendant 1 heure, voire 2 pour voilà, faire un branchement, parce qu'on ne peut rien faire sans internet, ni logiciel de compta, ni pack office. Certes, j'ai fait des modèles parce qu'on a besoin d'avancer, faire des devis, etc., comme la semaine dernière. Mais voilà, mais c'est pas ce qu'il veut. Lui, les logiciels de compta, fait des devis qui les transforme en facture. Voilà, donc il faut quand même que je me penche dessus. Donc cet après-midi, enfin, j'y vais. J'ai quand même une certaine latitude, hein. C'est pas non plus les vacances, mais voilà, en expliquant bien les choses, je veux dire, ça sert à rien. Voilà, donc je vais travailler sur acheter de neuf ce matin. Après, je vais manger avec ma copine Céline. Voilà, et voilà. Bon, deuxième semaine de boulot. Mais très bien. Voilà, je fais des rendez-vous. Est-ce qu'ils vont se confirmer ou pas? Ça, c'est. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais en tout cas, plus j'en fais, plus il y a de chance. Bon, voilà, c'est QFD. Voilà. C'était mercredi, vendredi. Mercredi, nous étions le 29 mars. C'est QFD. Puisque nous sommes le 31, vendredi 31, ça fait 6 mois. 6 mois que je suis célibataire. Et ça fait, je sais pas, ça fait pas 6 mois, ça fait à peu près 5 mois que je vous ennuie avec mes vidéos, semaine, etc. Donc on est quand même à la semaine 24. Je le remercierai pas assez parce qu'avec le recul, ben bon. Je ne remercie pas de me faire larguer comme une grosse bouse. Hein. Attention, je ne suis pas maso non plus, je ne suis pas catholique. Hein. Mais le fait que je fais des vidéos, ben ça me dit, tiens, je vais acheter un trépied, tiens, je vais faire des haul noces, tiens, je vais faire des haul actions, tiens, je vais faire des recettes, tiens, je vais. Enfin, je fais beaucoup de ce genre de choses. Hein. Les reviews favoris, compagnie, je n'en fais pas. Enfin, si, je fais des reviews, attendez. Mais en tout cas, je suis contente parce que là pour l'instant j'ai 37 abonnés, peut-être ça restera là. Hein. Attention, je ne suis pas End of Phoenix avec 15 millions d'abonnés. Chaque fois qu'elle pète, elle fait 150 000 vues, mais ce n'est pas une image. Hein. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir 37 abonnés. Donc je prépare dans ma petite tête un concours 50 abonnés. J'attends de les avoir.
pour pouvoir le faire. Alors je vais être honnête, claire, je vais être claire, nette et précise. Je vais pas offrir de maquillage parce que j'en ai pas, mais j'ai des idées. Ça sera plus alimentaire puisque j'habite. Alors attention, j'habite au Pays Basque. C'est pas non plus la seule région de France qui a des spécialités. Donc je pense offrir des spécialités basques, un petit truc et au fur et à mesure de Puis je monterai si un jour je monte en puissance au niveau des abonnés, mais plus je ferai des choses. Et je pense que j'ai déjà une idée pour 1000 abonnés. Je suis à 37, je ne suis même pas à 50, je n'ai même pas encore fait le concours 50 abonnés, que je pense déjà au concours 1000 abonnés. Ça ne pète plus. Bon, c'est pas demain la veille. Voilà. Mais en tout cas, les 37 personnes qui me suivent, je leur fais de gros bisous, quelles qu'elles soient. Je sais qu'il y en a une, je suis assez contente, je suis assez contente, enfin, je suis très contente des personnes qui me suivent, attention, hein, je sais qu'il y a ma meilleure amie, je sais que j'ai un pote, peut-être j'ai d'autres personnes qui me connaissent, qui ne veulent pas me dire qu'ils me suivent, mais cet abonné qui draine beaucoup d'autres abonnés, alors attention, ça s'appelle de l'orgueil, hein, je l'avoue, je l'avoue, eh ben, c'est l'une ombre de la lune hein, que je suis plus sur les all noise et les all action, et certaines choses. C'est grâce à elle que j'ai acheté la coupe menstruelle. Je ne peux pas faire de review parce que je ne sais pas quoi en dire, je n'ai pas encore assez de recul. Mais en tout cas, je ne suis pas forcément tout sur toutes les chaînes où je suis abonnée, hein, attention. Mais bon, voilà, quand j'ai plus de minutes, je vais plus à l'essentiel, je vais surtout sur les all actions, les all noz. Et après, quand j'ai 5 minutes, enfin, all action, all noz, produit fini. Et quand j'ai vraiment le temps, le week-end, etc., je regarde les autres vidéos qui m'intéressent, même voilà, qui sont hors ce que je viens de dire. En tout cas, je suis contente que l'une ombre de la lune ait daigné s'abonner à ma chaîne. Je lui en remercie. Je remercie tous les autres, les 36 autres qui me suivent, qu'elles soient petites youtubeuses, grandes youtubeuses. Voilà, c'est pas le sujet, c'est juste le plaisir de vous faire des vidéos qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas, comme moi je regarde tout, comme je regarde pas tout forcément sur toutes les chaînes où je suis abonnée. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les abonnés. On change de sujet. Alors, quoi dire sur le week-end en amoureux? On verra. Voilà. Pour celles qui me suivent sur Rosebook, vous avez vu les deux photos. Bon, la première, il fait racaille. Alors que c'est pas du tout son style, mais bon, c'était dimanche sur le canapé. Voilà. Et deuxième photo, vous avez pu remarquer qu'il était plus jeune. Oui, je sors avec un jeune. Je suis une cougar. Voilà, donc il y a des moments où ça me gêne pas. Je n'y pense pas forcément. Il y en a d'autres. Mais c'est pas forcément par rapport à quelque chose. De spécifique, j'y pense, je tiens, il habite en moins que moi. Voilà, mais après, ça part dans ma tête. Je vais beaucoup me justifier aussi par rapport à ça, le temps que je sors avec lui. Alors, ça peut être encore 3 mois, comme dans 3 jours, 3 semaines, je ne sais pas. Je ne dirai pas son nom, 8 ans, vous calculez, hein, je vais avoir 44 ans en juin. Ça y est, je suis rentrée dans l'ère cougar. Mais je veux quelqu'un qui a mon âge! Et ça, c'est impossible. Voilà, mais bon, déjà être avec quelqu'un, c'est déjà pas trop mal vu ma situation. La petite est malade. Bon, tout va bien, rien de grave. Voilà, donc je suis ça de près. Donc voilà, semaine, il est 9h moins 5. Je vais pas tarder à partir me maquiller. Je vais mettre ces boucles d'oreilles. J'ai acheté. J'ai un problème. Voilà. Que j'ai acheté chez Noz dans le hall du 8 mars. Comme je suis en noir. Il fait très beau au Pays Basque. Hier, il a fait super beau. Aujourd'hui, je pense qu'il va faire un peu plus frais, mais de toute façon, ça se dégrade. Ça se dégrade ce week-end. C'est très sexy ce que je viens de faire. Bon. En tout cas, on est fin mars. Hein. Le hasard fait que. Aujourd'hui, nous sommes le. Il y a toujours un dernier jour dans le mois. Mais bon, aujourd'hui, c'est un vendredi, dernier jour du mois. Voilà, j'ai eu 5 minutes pour vous faire ce petit récap semaine 24 où
Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, loin de là, et je veux pas me. J'aime pas trop dire ça parce qu'il va m'arriver une couille. Donc je dis en tout cas, tout va bien. Je touche du bois pour que ça continue. Je touche du bois pour plein de choses. Et voilà. Et je vous dis donc à demain. Alors, demain. Mais demain. Demain dans la journée. Alors, ça sera pas le matin. Tout dépendra de plein de choses. Mais en tout cas, pour les vidéos classiques, produits finis, qu'est-ce que je fais demain comme vidéo? J'en ai sur mon agenda. Produits finis. Et... Non, il n'y a que y a vidéo produits finis, c'est tout. Voilà. Et où il y a un énorme paquet. Attention, c'est pas conceptuel. Hein. Ça se voit qu'on a eu 3 jours de plus hein, ce mois-ci. Parce que mon sac, vous le verrez demain en début de vidéo, comme d'habitude, ça va être. Voilà. En tout cas, je vais faire cette vidéo produit fini. On est quand même le 31 mars. Il fait beau. Je vais aller bosser. Là, il est 9 h. Je vais quand même me maquiller légèrement et après aller partir. Et je vous fais un gros, 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 gros bisou. Et je vous souhaite une très bonne semaine.